Tournevis, allons-y. Ah, ce sont des gros perroquets. Max Steiger, vas-y mon petit madame. Oula. Oulala. Oulala. Voilà. Eh mais moi ils sont plus petits mes perroquets à la maison, ça c'est des haras. Viens, viens, ils sont énormes, j'en ai jamais eu des comme ça, mais j'ai. Viens mon petit madame, non mais le reste avec moi n'est pas peur. Ils sont gentils. Non. Oui, il ne faut pas les toucher peut-être. Ah oui, voilà, ils sont gentils, il ne faut pas les toucher. Alors, quel est l'enjeu? Alors, je vais premièrement montrer... Oh, mais vous avez un accent. Oui, un petit accent suisse. Vous avez un petit accent suisse. Un petit accent suisse. Ils sont suisses. J'habite en France, quand même. D'accord, c'est bon. À Cannes. D'habitude, on fait le contraire pour les impôts, mais bon, je vous expliquerai après. Comment s'appelle-t-il? Ça, c'est joli. Joli. Joli, oui. Joli, joli, joli. Tu plais à mon père. C'est un hybride. Tu plais à ma mère. Je ferai premièrement. Eve, c'est pour toi. Un test. Mais Doc, il a peur de. Là, vous regardez seulement. Ah, ça va, ça, je sais faire. Alors. Un puzzle, oui, je pense aussi. Alors, on va premièrement voir si le perroquet. Ne le touchez pas, il est nerveux. Il est nerveux, puis. Arrête, arrête, je t'en supplie. On va voir maintenant si le perroquet. Donc, il doit remettre les formes. Voilà, c'est ça. Voilà, les formes. Oh là là, l'étoile dans l'étoile. Bravo, joli. Eve, il faut bien que tu regardes les couleurs. Alors, oui. Surtout, c'est très important. Alors vous voyez, le perroquet reconnaît facilement les formes et les couleurs. Excusez-moi, juste un truc. Excusez-moi, attendez. Le prochain test, par contre, est très très compliqué. C'est unique au monde. D'accord. C'est une mémorisation. Alors vous avez essayé de mémoriser la couleur de chaque forme. De celle-là, d'accord. Voilà. Donc regardez, ici j'ai les mêmes couleurs. Pas les mêmes formes, on est bien d'accord. Non. Maintenant, il faut remettre les bonnes couleurs dans les formes. Voilà, essayez. Alors. Ah, je dois me rappeler des couleurs que ça avait. Oui. Alors, le rond, il était rouge. Oui, c'était rond. La fleur, elle était verte. Waouh. L'étoile, elle était orange. Le plus, il était bleu. Ah, ça, non, c'était blanc. Ça, c'était blanc. Le 8, là. Le carré, il était bleu. T'es sûr? Ouais, je crois. Ça, il n'y avait pas de H, c'était comme ça. Hop, 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 attends, attends. Attends. Eh, il y en a là-dedans. Non. Extraordinaire. Sûr? Oui, ben sûr, oui. Sûr. Je sais pas s'ils résonnent comme ça quand même, mais moi j'ai résonné avec des petits moyens mnémotechniques. Rouge, c'est ton string. Ça, rouge, c'est. Non, un rond, tu sais, quand tu veux viser la cible, c'est toujours un rond. Ah, mais c'est incroyable. Rouge, toi. Voilà. Ah, oui. J'ai fait oui. Ça en quelques secondes. Bon, hein. C'est bien, mais c'est bien. On va voir si les perroquets iraient oui, la même chose. Alors oui, on va si le perroquet met les mêmes couleurs qu'Evangélie, forcément ce sera la bonne réponse. Voilà. Théoriquement. Vas-y, Ruby. Le perroquet, il a peut-être un peu de tract, on va voir. Oui, vas-y, Ruby. Oui, mon petit Ruby. Allez, Ruby. Qu'est-ce que tu m'as dit, Tu m'as dit que tu me laisserais gagner. Il va très vite, hein. J'espère qu'on a pris le chrono. Hein. Il est trop fort. Ruby, tu l'aimais bien quand même, s'il te plaît. Oh là là. Allez, encore un Ruby, un petit effort, mon petit bonhomme. Et grosse coucougnette, le cochon. Bravo. Oui, Ruby. Alors, je vais demander au juge arbitre les temps. Evangélie a battu Ruby, mesdames, messieurs. Donnez un applaudissement pour Ruby. Pour Ruby. Merci beaucoup, la marque. Merci infiniment. Et pour Ruby. À très bientôt. C'était formidable. Restez avec nous, car dans quelques instants, eh bien.